Oh, Bun mate, îți ce regar ciupi? Scissor, sing and fang? Papa! Papa, ui! Mama! Ne vedem un papa? Papa, mama! Voilà Diego! Diego! Voilà Diego! Go! Diego, go! Tu veux aller à l'école, mon amour? À l'école, mon amour? Non! Comment ça, non? Moi, je veux avec les amis. Tu veux regarder? Ok, tu veux regarder Diego? T'as pas fini? Olive, Olive, tu veux aller à l'école? On y va à l'école, oui! Comment ça, non? Comment ça, non? Maman aussi? Il faut que ça aille à l'école. No. Mais c'est fini, mon nom! Oh, tu veux... Voilà, bravo! Bravo! T'as tout fini! Bravo! Bravo, non? Ok, on y va voir Diego, mon nom. Diego! Salut, salut tout le monde! C'est l'autre. Je m'excuse pour mon visage, ok? J'étais vraiment malade ces jours-là. Puis maintenant, je m'en vais en plus à l'éducation physique. Ok, le cours que je déteste le plus au cégep, c'est l'éducation physique. Je suis vraiment paresseuse. Puis je trouve qu'il n'y a aucune utilité vraiment dans tout le programme. Donc là, je m'en vais 2 heures. J'ai 2 heures de danse aérobique puis tout. Donc, oui, j'ai vraiment pas hâte. Mais ensuite, je retourne ici à la maison car j'ai un long break. Puis après, je m'en vais en anglais. Donc, bienvenue dans ce vlog. Là, je m'en vais en éducation physique. Et oui, donc on va se reparler tout de suite après mon cours. Donc oui, on va se reparler plus tard et bon matin et bienvenue dans ce vlog. Salut tout le monde, alors là j'ai fini mon cours d'éduc. Là je m'en vais à la maison manger et prendre mes choses d'anglais. Puis on va se reparler une fois que je sois à la maison. Car là il y en a la rénovation juste devant moi. Donc je m'en vais vers l'auto. Là je me sens beaucoup beaucoup mieux. J'arrive de chez nous, j'ai pris une douche, j'ai mangé. Je me suis un petit peu maquillée, puis je me suis habillée avec de nouveaux vêtements tout propres. Je me sens vraiment mieux comme ça. Puis j'ai un exposé oral en anglais, voilà. Ça c'est mon beau exposé oral. C'est à propos des mini-maisons. Vous savez que c'est comme à la mode dernièrement. Je pense que c'est une nouvelle mode qui est sur les mini-maisons, sur les petites maisons. Fond. Donc c'est ça que je vais présenter en anglais aujourd'hui. Là maintenant, je m'en vais. Puis 3 heures de cours d'anglais. Donc ce sont des exposés oraux plus des travaux de grammaire, si je ne me trompe pas, en tout cas on verra. Donc oui, je vous dirai ça juste après. Alors j'espère que jusqu'à maintenant, ma journée n'est pas trop ennuyante et pas trop plate. Mais voilà, c'est vraiment une journée typique de la semaine de folie, d'école, maman, études... famille, etc. Donc voilà, alors là je m'en vais dans l'auto et on va se reparler plus tard avec vous. Souhaitez-moi bonne chance, bye! Salut tout le monde, il est déjà comme 5h15, peut-être 5h20 et j'ai fini l'école pour aujourd'hui. Je suis fatiguée au bout. Ça a très très bien été mon exposé oral en anglais. C'était plutôt bien en fait, je m'attendais vraiment pas, mais c'était vraiment bien. Et voilà, donc là je m'en vais chez nous. Mon mari est déjà allé pour Oliver, donc ils sont à la maison et il m'attend. J'ai vraiment hâte, comme Oliver me manque beaucoup. Je pense que c'est la chose la plus difficile de retour à l'école, c'est de ne pas être avec Oliver, vraiment, ça c'est vraiment difficile. Il me manque horriblement beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, j'ai vraiment hâte d'arriver à la maison pour les voir. Alors, on va se reparler tout de suite dès que j'arrive. Oh, ¡ay! ¡Regala chiquilla!
ça va? Comment ça va? Oh. Wow, tu as mis les souliers tout seul? Tu vas montrer à maman? Bravo, mon amour! On va montrer à maman bientôt. Oui? C'est quoi? Bien. Les amis, je me suis changée, comme vous pouvez voir. J'ai vraiment chaud. Ça n'a pas de sens comment j'ai chaud, ça va? C'est quoi, mon amour? Tu essaies de les enlever? On va les enlever ensemble. Ah, 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 ah. Voilà. L'autre pied. Bon garçon. Tiens. Voilà. Bravo. Ouais, mon amour, c'est quoi? Montre-moi. Montre-moi les autos. Ah, ah, ah. Voilà. Regarde. Tu veux? Vas-y, mon amour. Vas-y, promets les petits téléphones. Waouh! C'est trop cute. Bravo, mon amour. Est-ce que vous pouvez croire que la semaine qui s'en vient, mardi, Oliver va avoir 2 ans? Parce que moi, je crois vraiment pas. Tu vas avoir 2 ans, mon amour? C'est qui va avoir 2 ans mardi? C'est toi? Oh my god, c'est fou là, ça passe beaucoup trop vite. En passant, je voulais vous dire une chose. Oui, mon amour. Je voulais vous dire que mardi, comme c'est mardi, comme l'anniversaire de Oliver, c'est mardi. Donc, on va pas comme faire une fête le mardi, on va le faire le week-end. Mais par contre, je vous ai préparé une petite vidéo spéciale qui va être en ligne mardi. Oui, j'ai vraiment hâte. Il est tout tranquille. Alors, mardi, c'est vraiment une vidéo très... Comment je pourrais dire ça? Personnelle, vraiment, que je vais vous... J'ai vraiment hâte à mardi, donc soyez là. Et n'oubliez pas de me faire un petit coucou en bas de la vidéo, car la dernière vidéo que j'avais mis, il n'y avait pas vraiment beaucoup de gens qui m'ont écrit, puis j'étais comme triste parce que j'adore ça vous lire comme... Oui, mon amour, j'adore ça vous lire vraiment, que vous m'écrivez en privé, soit sur Instagram, soit sur Facebook, ou soit en bas de mes vidéos, vous m'écrivez souvent et j'adore ça, donc n'arrêtez surtout pas de m'écrire, ça me fait énormément plaisir. Oui, mon amour, et j'adore vous lire, c'est comme ça me fait... Trop plaisir. Ma ferme pas, mon amour, tu vas avoir trop chaud. Non, non, non. Wow, t'es trop cute, wow. Couturi. Oh. Wow, merci, mon amour. Attention. Bravo. T'as réussi, hein? T'es très fort. Oh my goodness! C'est nouveau ça? Oui. Tu réussis à ouvrir et fermer les portes? Mmh. Attention les doigts! Mais doucement, mon nom. Très doucement. Je prévois un accident bientôt. Alors là, on est venu en bas. Puis on est en plein... Comment je peux dire ça? Encore une fois, restriction du sous-sol. On fait toujours ça, hein? On bouge tout le temps les meubles et tout. Mais pour l'instant, ça a l'air à ça. C'est vraiment le bordel, hein? Je m'excuse. Mais le bureau, je pense qu'il est beau là-bas. Mais comme vous pouvez voir, il y a une table qui n'a pas sa place. Puis plein d'autres choses. Mais c'est ça. Le coin d'Oliver, ça, il n'a pas sa place. Plein de choses. Donc, c'est vraiment le petit bordel. Mais il y en a de la place pour jouer quand même. Donc, c'est là que je vais étudier. C'est là vraiment que je voudrais vraiment une place où étudier. Puis en même temps, je vais être ici, étudier. Puis je vais voir Oliver qui joue et tout ça. Donc, ça va être pratique, je crois. Donc, j'ai vraiment hâte qu'on finisse ça. Mais on n'a pas vraiment le temps dernièrement. Puis, je ne sais pas si vous avez vu sur mon Instagram. Si vous ne me suivez pas, allez-y. Je vous l'avais montré parce que nous, on en a beaucoup de films. Mais vraiment beaucoup. Je pense que c'est au-delà de 500 plus. Que ça, même plus, j'en ai aucune idée. Mais on en a ici, on en a ici, on en a ici, on en a ici, c'est plein. Ici en bas, c'est plein. Puis en haut aussi, on en a. Puis on a stocké ici 100 films pour l'instant. On n'est pas très avancé, mais
On en a 100 ici, puis regardez, c'est vraiment pratique. Ça sauve de l'espace vraiment beaucoup. J'ai vraiment... Oh, ça va? Ça va? Ça va. J'ai vraiment hâte à faire tous les films, vraiment, pour qu'on va, on va comme dégager le mur qui est là. Donc, ça va être plus spacieux, puis en tout cas, on a plein de projets, là, dans la tête, mais on a un manque de temps. On a un manque de temps. Là, mon mari prépare le souper. Il prépare le souper du poulet pour Oliver. Et nous, on va manger... Quoi? On va manger du griot! On aime ça, les griots. Mais ça fait une semaine qu'on n'a pas mangé ou deux. C'est beaucoup. D'habitude, on mange toujours comme une fois à la semaine environ. Là, ça fait comme deux semaines, je pense, on n'a pas mangé. Donc là, j'ai vraiment envie du griot. Là, c'est ça. On va manger du griot ce soir. Olive qui joue, tout tranquille. Bravo, mon amour! Tu aimes ça ici, hein? Oh, attention! Attention! Il aime vraiment ça ici. C'est pour ça que je voudrais comme dégager l'espace pour qu'il joue mieux aussi, puis pour aussi refaire ça, le coin de jouer, parce qu'il joue plus avec tout ça. C'est beaucoup trop de jouets pour rien, quasiment. C'est ça que je me rends compte. Qu'on avait tellement beaucoup acheté, il joue pas vraiment avec tout. Mais l'auto, c'est win-win, vraiment. L'auto, il a depuis qu'il a 6 mois, il joue avec. Puis tu vas avoir 2 ans la semaine prochaine. Tu joues encore avec l'auto. La glissoire aussi, il joue vraiment chaque jour quasiment. L'autre chose, non. Le train, oui. La petite cuisinette, genre de cuisine de bébé, non. La valise non plus, ça, il joue pas vraiment avec. La petite cuisine, des fois, il joue avec, des fois, non. Bon, des petits jouets, oui. Le cheval, il aime beaucoup. Mais sinon, c'est à peu près ça. Les autos et tout, oui, il aime ça. Mais sinon, c'est ça. Donc là, puis aussi, ce que je voudrais faire, ça en fait, c'est comme un présentoir de magazine. Je voudrais le repeinturer en or, en doré. Vous voyez ici, il y en a. Mais je voudrais toutes les refaire. Donc, j'en ai acheté même la peinture en aérosol. Puis, j'ai pas eu le temps de le faire, bien sûr. Mais je voudrais vraiment le faire peut-être cette semaine ou l'autre. Je n'ai qu'une idée, mais là, je voudrais vraiment le faire avant qu'il pleut puis qu'il fasse comme gris puis comme l'hiver, quasiment. Ouais, mon amour! C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Bravo! Oui, mon amour, vas-y! C'est pour la balle! Donc là, une fois que Oliver est en bas, il est vraiment tranquille. C'est pour ça qu'on a pu comme un petit peu bouger les meubles et tout, le temps que lui joue. Mais là, c'est ça. Là maintenant, on est en stand-by. On est vraiment en pause pour en bas, pour le sous-sol. Là, mais on va continuer tout ça, c'est sûr et certain, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Là. Ça n'a juste pas de sens. Il y a toujours quoi faire. Alors, on a bien mangé. Maintenant, oh, regarde Baby TV! Ouais! On se repose un petit peu avant d'aller nous baigner. Hein, mon amour? À faire chipi-chipi? Oui, ta bouteille d'eau. Attention. Voilà. Bravo! Oui, mon amour. Alors, je vais conclure ici le vlog car j'ai beaucoup de choses à faire, comme pour demain, pour préparer mes choses, mes vêtements, etc. Et aussi baigner Oliver, bien sûr, le mettre pour dodo et tout ça. Donc, bref, j'espère que ça vous a plu, le petit vlog d'aujourd'hui. J'espère que c'était pas très, très ennuyant comme journée. Et voilà, donc je pense que j'avais pas autre chose à vous dire. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu et de me faire un petit coucou en bas car j'adore vous lire vraiment et ça me manque énormément. Et voilà, donc je vous aime beaucoup, je vous donne beaucoup de bisous. Et on va se voir dans ma prochaine vidéo très très bientôt. Bye!